Alors vous qui êtes fan de boxe, sur qui aimeriez-vous taper en ce moment? Sur toi. Attention, vous allez avoir toutes les féministes et mes frères sur le coup. Ouais, j'ai pas envie de taper sur personne, mais il y a des fois, il y a des choses qui sont quand même... où des gens se récupèrent un peu, s'engouffrent médiatiquement dans des trucs, tu vois, qui sont malheureux, comme les migrants, tu vois, tout ça, tous ces acteurs qui font des pétitions. Occupe-toi de ta voisine qui crève la dalle depuis 10 ans, tu la connais même pas, tu connais même pas son prénom. Bien entendu que tout ça, c'est malheureux. Bien entendu que la vie, c'est une injustice. Bien entendu, mais ne te fais pas, ne te mets pas, toi, comme si t'étais l'abbé Pierre, et que même si l'heure, on te la demande, tu la donnes pas, tellement t'es rat. Que là, parce qu'il y a la télé, tu fais l'abbé Pierre. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Occupe-toi de ta voisine, du clochard, que ça fait 10 ans qu'il est dans ta rue, que tu le vois tous les jours, que tu as marché sur le pied la dernière fois, tu t'en es pas aperçu. Bien entendu que c'est triste, les photos qu'on a vues, elles sont terribles, terribles, on a tous des gosses. Mais ne joue pas là-dessus pour toi être meilleur que les autres. Tu comprends ce que je veux te dire? Peut-être que je m'explique. Ouais, je trouve pas ça hypocrite. Garde-toi de ta bonté. Tu sais, souvent, on parle des qualités que l'on n'a pas à outrance. Ça, c'est une règle. Les mecs qui font les grands généreux, souvent, c'est des rats du remblai. Voilà.